découvrir d'autres pays, des villes, pratiquant les bons et partager des bons moments avec les bons amis, ce qui se passe dans leur tête. À ce moment-là, quand ils s'entraînent sur la précision, alors imaginez-vous sur le parcours de leur travail quotidien quand ils ont. Le freinage de précision maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Donc ils sont, de toute façon, ils sont tous dans l'optique de. Le fait qu'il m'en fasse sourire, bonne chance, ça a tout de suite aidé ma journée, malgré ce qu'il y a eu derrière. La journée a été complètement différente. Donc je peux tout à fait les comprendre, ce qui est important, ce qu'ils peuvent aimer, etc. On peut imaginer que, comme je vous l'ai dit, hein, ces chauffeurs et ces conducteurs, c'est immense. Pour vous aussi respect, parce que là vous êtes vraiment, vraiment, vraiment au top. Après, comme un artiste qui vient sur scène pour faire un concert, bah, les gens se côté charmé, se côté brillant. Voilà, je l'entends qui arrive au freinage de précision, la longueur du véhicule. Mais je dirais bien une quinzaine de mètres quand même, ce genre de véhicule. Donc vous imaginez que maintenant il va devoir prendre un virage, passer entre les deux poteaux qui sont. Je vais vous priver de bien regarder donc le travail de tous ces commissaires, le travail exceptionnel qu'ils font, tous et toutes, parce qu'il y a aussi une dame. Ce qui m'a aidé par rapport aux autres, c'est que lui, il vient de la restauration par rapport aux autres. Donc là, il a fait une école d'hôtellerie, il s'est recyclé dans sa passion donc la conduite, qui patrie depuis l'âge de 14 ans. Il a travaillé vraiment, ils sont là au taquet tous les jours, parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Former leurs chauffeurs ici, mais ils ont souvent quelques centimètres. On a vu tout à l'heure avec mon collègue ce matin pendant les entraînements, ils ont quelques centimètres, mais vraiment des centimètres pour quelques exercices à effectuer. Donc Julien, je dis qu'il est marié, il est papa d'une petite Joséphine qui va avoir 2 ans. Il est passé du sport en général, il pratique surtout le badminton depuis 20 ans qu'il a en compétition. Il a besoin de se dépenser, il aime se dépenser, tout seul ou entre amis. Il est également top pompier. Quoi qu'ils ont fait leur boulot. Donc là, on est avec Reto. Reto, lui, la meilleure préparation, c'est de. Avec le bus numéro 121. Pour l'instant, on est avec Reto qui est sur la presque fin du parcours. Donc vous pouvez imaginer la concentration qu'il faut avoir tous les jours et cet esprit combatif de mener un monstre pareil à un de ces véhicules man. Et puis souvent ils ont eu dans des véhicules beaucoup plus grands. Donc on peut imaginer le stress que ça peut être un véhicule beaucoup plus grand dans des villes comme Lausanne. Ces chauffeurs professionnels, je leur tire mon chapeau parce que moi j'ai déjà essayé avec mon véhicule en ville de Lausanne. J'arrive pas à avoir les yeux partout, ce doit être des fois des extraterrestres pour réussir à tenir tous les jours. Il est extrêmement important, la sécurité de leurs passagers. Là il est au freinage de au-dessus du chauffeur pour pouvoir voir ce qui se passe devant eux. Là ils vont vraiment presque à l'instinct, je dirais, parce qu'il faut vraiment mesurer un monstre comme ça. Là il enchaîne avec... Vous pouvez voir la dextérité du chauffeur, elle a tout son sens. Quand vous savez qu'ils sont à deux doigts.